Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Le Max. On se retrouve pour l'épisode 19 de My Show Academia saison 7, un épisode extrêmement prenant, il se passe pas mal de choses, mais malgré tout, avant de débuter, on doit quand même remercier notre partenaire manga, on ne doit pas être disturbé par l'épisode, c'est Côté Manga qui vous permet d'avoir des mangas pas chers franchement, des mangas qui sortent en France et directement dès leur sortie, donc n'hésitez pas à aller checker la boutique, le lien est en description. Voilà, beau petit rappel parce que n'oubliez pas qu'il faut soutenir les librairies, c'est important. Yes. Épisode au sein duquel il se passe beaucoup de choses, effectivement, tout comme le fait que vous allez vous abonner, ça c'est dit, mais vous allez le faire. Ouais. Non, il se passe beaucoup de choses parce que... Et puis, enfin, il se passe beaucoup de choses, mais c'est aussi, j'ai pas trop compris tout ce qui s'y passait vis-à-vis de ce qu'on nous a vendu. Oui. Je m'explique. On nous fait un teasing. Watashigakita et tout, All for One is Barato. Moi, je m'attendais à ce que ce soit un épisode centré sur Olmicht. Je ne sais pas ce qu'il va faire, je ne sais toujours pas ce qu'il a fait, à part le fait qu'il a une valise dans les mains, je ne sais toujours pas ce qu'il va être. Part en voyage. Et part en voyage. Deux tiers de cet épisode, c'est on panique de la chaleur que Dabi est en train de dégager, on attend une explosion pseudo-nucléaire à un endroit T, on envoie Shoto et Tenya gérer le dos, et il y a toute la famille de Shoto face à Dabi. À quel moment tu te dis, moi le teaser de la semaine prochaine c'est sur les 5 secondes où on voit All Might. Ça me paraît résumant. Ouais. On s'attendait pas du tout à ça, si hein, rappelez-vous, l'épisode dernier, on vous a fait une théorie même sur All Might et tout, son pouvoir, est-ce qu'il l'avait plus, on savait plus trop. Bon alors, en fait, il l'a perdu graduellement son pouvoir, donc il l'a plus du tout, a priori, et merci ouais, d'ailleurs pour vos commentaires hein, par rapport à, aux précisions, vu qu'on avait des doutes, on n'était plus sûr. Ah il l'a plus, bah si, quand il le donne à Izuku, il a encore, regarde, il se tape contre machin, ouais mais après il l'a plus, bon, maintenant c'est clair. C'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, qu'il a une valise. Il se prend pour Batman, le gars. Hein. N'oublions pas, depuis deux saisons. Donc, il a des ustensiles qui lui permettent, à mon avis, de combattre. Ça va peut-être lui permettre de ralentir brièvement All for One, mais bon. À quel prix, tu vois? Ça sent un peu la mort ouais. Pour lui, ça sent un peu la mort pour Hawks. Il y a pas mal de personnages comme ça autour de qui il y a une odeur de mort, mais ça ne garantit pas pour autant qu'ils vont y passer. Puisque dans cet épisode, ça sentait la mort de ouf pour Endeavor et pour Toya. Et pourtant, ils y sont pas passés du tout. Non. Alors, c'était... J'ai bien aimé, pour le coup, l'intensité crescendo qui s'est fait dans cet épisode jusqu'à l'apothéose. Tu sais, ça sentait la mort, justement. On est très stressé au début. La Brava qui essaye de reprendre la main sur les trucs à distance. Et elle y arrive, mais il y en a, ils sont bloqués sur place. Donc déjà, une grosse tension. Beaucoup de dangers autour des civils. Donc, ça sentait la mort. Il y a d'ailleurs un gros costoman, là, tu sais, qui avait Rashkit. J'ai Rashkit, j'en ai marre, j'ai abandonné. Moi, j'en ai marre. On m'a traité et tout, j'en ai marre. Mais je peux pas faire autrement, je soulève des cailloux. Et... Bon, il a soulevé des cailloux. Bah, juste parce qu'il a vu Izuku, hein. Il s'est dit, moi j'ai abandonné comme un lâche et tout, alors qu'Izuku il se bat toujours jusqu'à la fin des temps, j'en ai marre. C'est mon sauveur. Et donc, en parallèle de ça, effectivement, on voit Dabi qui est en train, du coup, qui est en train de concentrer depuis le combat qu'il a eu contre Shoto son énergie. Et va arriver un moment où son corps va lâcher et toute cette énergie concentrée va exploser et va, sur un rayon de 10 km, littéralement raser. 5 km. Ah, mais c'est pas 5, c'est 5, c'est pas 10. Ah ouais, moi bon, c'est bon, 5 km, il me semble. Ouais, bon, dans tous les cas, gros rayon. Voilà. C'est ça. Et donc, faut l'arrêter. Faut l'arrêter Dabi, parce qu'en plus, je crois, il y a un tuyau, enfin, un tunnel au sein duquel il y a un échappatoire pour les civils, donc ce serait catastrophique. Après, j'ai envie de dire, un rayon de 5 km, ça fait un diamètre de 10 km. Non ? Voilà, oui, bah, donc voilà. Donc en fait, on est bon. Donc on est bon, exactement. Donc il y a deux teams finalement qui vont se mettre en place. On a d'un côté Tenya et Shoto qui sont appelés par All Might en mode ouais, le shonen et tout, ouais, vous allez gérer le game, etc. Donc ils vont se déplacer à la vitesse du son. Donc quand même le duo, je sais pas ce que t'en as pensé, mais il m'a foutu des petits frissons parce que c'est leur épisode. C'est leur épisode et je recolle du coup avec ce que tu disais en intro de cette vidéo aussi. Pas le truc sur les abonnements, mais le truc sur sur le fait que ce soit pas le bon titre. Effectivement, la cavalerie est arrivée ou je sais plus quoi. Déjà la traduction française du titre, elle est pas bonne avec le nom anglais du titre, je crois. Ou je sais plus le nom original du titre. Mais je sais que c'est pas bon avec ça.
Et puis ça colle pas trop effectivement avec ce à quoi on s'attendait. Pour le coup, le teaser nous a offert beaucoup de surprises, parce que je m'attendais pas à un épisode centré sur la famille Todoroki, mais vraiment pas. Mais j'ai adoré cet épisode. J'ai adoré cet épisode, pas seulement parce qu'il m'a surpris, parce que j'attendais autre chose et j'aurais bien kiffé avoir un épisode All Might, tu vois. Mais vraiment, pour le coup, ce que nous ont offert, ce que tu disais, Tenya et Shoto, pas l'appeler Todoroki vu que les autres c'est des Todoroki aussi, et sa famille, et le fait de voir individuellement tous les membres de sa famille intervenir, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils vont tous mourir. Déjà, je m'attendais à ce que Dabi meure. Franchement, il est arrivé, son corps allait céder, il allait exploser. C'était le teasing depuis 10 minutes d'épisode où il allait exploser et l'intense chaleur allait, comment dire, tout calciné sur son passage. Donc Endeavor, à partir du moment où il le prend avec lui, je me suis dit, il va nous faire un sacrifice, il se croit dans Saint Seiya, il va s'envoler avec. Il s'envole pas, je vois, il lui fait un câlin, mais il s'envole jamais à aucun moment. Et là, t'as la mère qui arrive. Je me suis dit, oula, mais ils veulent mourir en famille, ceux-là, c'est quoi leur problème? Et finalement, t'as le frère, la sœur, puis ensuite t'as le dernier des frères, donc Shoto. Ils arrivent en famille à stopper Toya dans une sorte de méli-mélo et de dénouement quelque part de liens familiaux et surtout de traumatisme de Toya, où il arrive lui-même à se démêler en se disant « Ah, regardez-moi, regardez-moi, ah, vous voyez, vous me regardez, ça y est, c'était pas si dur. » Il y a quelque part, il y a une écriture quand même qui est assez intéressante. Je dis pas qu'elle est, comment dire ça, parfaite. Je dis pas qu'elle est pas un peu facile par endroit, notamment avec l'arrivée comme par hasard de tout le monde, quoi, en fait. Mais j'ai bien aimé le fait que cette tragédie, parce que c'est un personnage tragique quelque part, Toya, soit écrite de cette manière. Disons que je sais pas comment expliquer ça. Mais ça m'a beaucoup plu. Là où le personnage de Toya me laissait plutôt insensible sur son côté sadique et psychopathe, où je lui reprochais un peu ce côté facile, c'est-à-dire il a la haine facile, quoi. Je veux dire, il y a juste un inconnu qui l'a recueilli alors qu'il était calciné, et qui lui a dit « Ouais, suis-moi, tu vas voir, en fait, ton père c'est un enfoiré et tout. » Il a fait « Ouais, d'accord. » Bon, tu vois, j'étais pas très convaincu. Quand on a eu des flashbacks supplémentaires dans cette saison-ci, où on le voyait revenir littéralement dans sa demeure et voir que son père il s'entraînait dans le normal, style de rien, comme si c'était rien passé avec Shoto, déjà ça avait rajouté quelque chose. Et là cet épisode vient achever le truc, et le fait que à la fin sur son lit de mort quasiment, même s'il meurt pas, il soit pas à dire ah oui je te pardonne papa, mais il soit toujours en mode non je vous aime pas, je vous déteste, mourrez tous, je trouve que c'est cohérent pour le coup. Ouais, c'était beaucoup plus profondément écrit finalement, parce que j'avais peur aussi qu'on tombe dans une certaine caricature à un moment donné de « je t'aime moi non plus » et puis c'est bon, on se resserre dans la main en mode bisounours, parce qu'il ne fallait pas non plus tomber dans cette facilité-là au vu des frasques de chacun, que ce soit Endeavor, que ce soit Toya, etc. Là finalement, c'est un peu comme si toute la famille prenait une part de la responsabilité du déclin de Toya. Chacun à sa manière, à échelle différente, hein, bien entendu, mais a une certaine responsabilité, et chacun est là aussi pour tenter de, pas de le sauver, mais d'arrêter son extrême folie au travers de leur capacité, voilà, le feu qui s'oppose à la glace, le feu qui peut neutraliser, etc. Donc il y avait vraiment, déjà c'était visuellement beau, poétique. L'histoire, c'est une tragédie familiale, et finalement c'est bien que ce soit pas que Endeavor qui soit... tu vois, on sent quand même qu'Endeavor est celui qui a le plus de responsabilité dans cette histoire, mais... et d'ailleurs, à la fin, il s'en excuse encore, tu vois, il a compris qu'il a chié dans la colle, c'est pas le souci. Mais c'était bien aussi de voir que tout le monde s'investit pour leur famille, malgré les souffrances, tout ce qui peut arriver dans une vie. Et finalement, est-ce que c'est pas un message très humain? Tu vois, des familles qui parfois se déchirent... se comprennent plus, qui parfois ont des quiproquos situationnels, plein de choses. J'ai trouvé ça très poignant, en fait. Comme tu l'as dit, facile par moment, mais finalement bien amené, et peut-être moins facilement amené malgré les certaines facilités scénaristiques que ce que je pensais. Je pensais vraiment pas me retrouver avec un scénario familial comme ça,
à ce que tout le monde soit prêt à se sacrifier pour Toya, pour arrêter. Je m'attendais pas du tout à ça. Là, ah, c'est ça. On dit, je pensais vraiment un one-one endeavor Toya, et voilà, et puis les autres, ils pleurent à distance. Donc finalement, chacun jouait son rôle, et je trouve. Ouais, inattendu, mais bien. Inattendu dans le déroulé, inattendu dans l'exécution, et une exécution soignée. C'est ça aussi, c'est que l'épisode est super bien. Je veux dire, Shoto, son arrivée avec Tenya, c'est épique, tu vois. Donc ça te fait frissonner, tu te dis, oh putain, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ouais, oh putain, on parle avec un petit accent, hein, comme ça. Non, j'ai vraiment bien aimé, beaucoup d'émotions, et même All Might, le rôle qu'on lui confie, c'est-à-dire il est relégué en second plan, bon, c'est un mini reproche en fait qu'on a fait à l'épisode en mode on nous a menti sur le titre et le teaser, mais en vrai dans cet épisode, si on prend le rôle d'All Might, il est tout à fait cohérent avec ce qu'il est, et les émotions qu'on a avec Tsukauchi, comment il s'appelle son pote, je sais plus, le policier, bon bref, peu importe. Eh, c'est poignant en fait. C'est, il est là, non, tu vas pas faire ça, mec, t'as plus de pouvoir et tout, t'as plus d'alter, tu vas pas te sacrifier, etc. Mais on nous rappelle que All Might était leur professeur et que finalement ils héritent un peu de sa volonté. Et là, il dirige un peu à distance, il pilote, il dit toi tu vas là. Et de la même manière que lui, en fait, ils interviennent. C'est ça en fait, c'est à ça que ça faisait référence en fait, la traduction française du titre. Même si elle est du coup, bon, bizarre par rapport au fait que All Might soit pas directement. Voilà, sur le devant de la scène. Donc je me dis, c'est pas mal, les dépictions qu'on a eues des personnages dans cet épisode. Je suis plutôt satisfait pour une fois qu'on a un épisode vraiment très complet sur ça, où on n'a pas de déception, malgré la non-mort hein, d'Endeavor et de Toya, auquel on s'attendait, et puis il y avait aussi ce truc de rédemption. Là, la rédemption se fait dans la douleur, et il y avait besoin que ça passe par cette douleur, et il n'y a pas vraiment de pardon, en fait. Donc, ils assument. Ils assument pleinement et c'est ça qui fait que tu dis d'accord, ok. Tu vois ? Ah, c'est pas une romance à l'eau de rose, quoi. C'est ça. Ils ont tous fait des trucs presque impardonnables, autant Endeavor que Toya. Voilà, le pardon est compliqué. C'est vivre avec maintenant, tu vois. Il faut faire avec et c'est bien. Enfin, on n'est pas tombé dans le neuneu. On est quelque chose de très, très dur, presque très terre à terre, en fait. Et finalement, bah, c'est un épisode qui te prend. Qui t'emmène et jusqu'à la dernière seconde, tu te dis oh là là, ah ouais, putain, la claque que je me suis pris, je ne m'attendais pas à ça. Et on verra du coup si l'épisode prochain ce sera de la même trempe, puisque ça m'a l'air, si le teasing est bon, centré sur Rochako psychologue versus Himiko Toga, la patiente. Voilà. C'est ça, ça va être Rochako psychologue contre Toga psychopathe, potentiellement. même si je pense qu'elle est plutôt sociopathe, mais on verra. Le diagnostic sera posé la semaine prochaine par notre cher Ochako. Donc suivez bien, on aura évidemment la review sur la chaîne. Dites-nous ce que vous avez pensé en tout cas de cet épisode. Et si vous êtes lecteur assidu du manga My Hero Academia, si vous aviez lu du coup le manga avant, ce qui n'est pas notre cas, n'hésitez pas à nous donner vos impressions sur cette adaptation. Allez, à très vite en tout cas si vous êtes abonné sur la chaîne 2. Les Wemax, à la prochaine.